flore encore. La rigueur est mise, un souffle au cœur encore. Ocean, j'aime pas quand tu files, quand tu t'habilles en 4 secondes. Retourne le vinyle et tends ta dernière bande. C'est comme un chemin de randonnée sur lequel on s'engage, et parfois le caillou n'est pas balisé comme il faut. On se retrouve à côté d'un lac avec des nudistes. On n'avait pas choisi ce chemin-là. C'est exactement ce que vient de vivre Mathieu Pigné à la batterie. Il est parti vers le lac comme ça. Il s'est dit, oh tiens, je pense que c'est ce chemin, mais non, c'est pas ce chemin, mon grand. Non, non, là c'est un camp de nudistes. Et toi, tu pensais aller voir le lac avec tes enfants, bah tu vois, comme quoi c'est. À la guitare électrique ce soir, l'immense Darko Fitzgerald.
Le chevalier d'Arpajon, Armand Méliès. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Le ciel s'écoule au chat sur ta peau de loup au vent. Les oies sont rouges, ta mémoire est trop. On a vu l'Espagne, la rive et les larmes. L'amour s'efface et ce cœur nous mate. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done. Just don't let me go. I need you so. Baby, just don't let me go. Se promettre ma douce, l'enfer c'est sûr. Ours, où les vipères roulent. Ours, se meuvent nos troubles. Je deviens sauvage. C'est des charmes pour que Paris s'enflamme de nos retrouvailles. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me.
sourire dehors, en colère, un jasmin malchior. Paris s'échaîne, découvrir ton corps, depuis la scène du sombre décor. Du creux serein, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos ronces là, le soleil s'endort sur ses chaînes, le sable et l'aurore, fleur de Seine. Attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage et de l'or pour se faire. I need you so. Essayer de chanter les chœurs ensemble.
Quand on monte sur une scène, ce dont on a envie avec les gars, c'est de s'amuser. Et surtout, ce qu'on veut voir en face, dans les visages du public présent, c'est la même chose. C'est de se dire que bah, nous, ce qu'on ressent, peut-être qu'en face, on le ressent aussi. Et du coup, cet échange-là, c'est un équilibre qui fait juste qu'on est heureux de faire ce qu'on fait. Je suis sur scène, je suis en train de chanter, le spectacle commence, ça, et j'ai qu'une envie, c'est me bouger et de me déplacer, montrer qu'il n'y a pas de place fixe. Et que justement, tout peut être surprise. Même si on passe venir voir un concert, bah, peut-être qu'on vient voir un truc où un mec va faire des acrobaties, va faire le con sur les balcons. Cette surprise-là, elle est toujours agréable à faire parce qu'elle ne se passe jamais de la même façon. Au moment où je saute de la scène, je me dis, tiens, ça serait super qu'il y ait comme un feu d'artifice, quoi. C'est un peu sa petite magie poétique à soi. C'est un peu comme si on faisait du cinéma. C'est des tout petits effets spéciaux, très simples, mais qui me soutiennent dans une énergie sur scène et qui, en plus, créent un moment surprenant aussi. Et que j'aime bien vivre. La prochaine chanson s'appelle Platini. On va essayer de chanter ensemble le refrain avec le mot. On a parlé France et de leur
Travailler avec Julien Doré, c'est chouette, très chouette, parce que c'est un pote d'abord. Et je trouve qu'on avance bien, on fait des belles choses, c'est assez ambitieux. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, c'est quelqu'un d'exigeant. Sa principale qualité de chef d'orchestre, c'est de savoir très vite s'il aime ou il n'aime pas quelque chose, un arrangement. Il ne tourne pas autour du pot, il tranche très vite. Il fait vraiment ses chansons avec ses idées et sans faire de concessions. Il fait ce qui lui plaît et ça lui réussit bien parce que finalement, c'est authentique et c'est son truc, quoi. Je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire des tonnes. Ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Et je ne rate pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. C'est un prix, je vais payer pour ça. Ouais, je vais. Dépasser les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Et je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. C'est après, je vais payer pour ça. Je vais payer pour ça. Je vais me retrouver au bagne. Je vais casser des cailloux en Guyane. Et je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. C'est après que je vais payer. J'ai dépassé les limites aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide. Bien en chair, bien en rebond. Et je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais. Paris, c'est après je vais payer. Et je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. C'est après je vais payer. À vous. Et je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après je vais payer. Oh, et je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais après je vais payer. Je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer. Oh, hey. Je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer. Et je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer. Je vais quitter Paris. Je sais après je vais payer. Et je ne rêve pas. Je sais quand j'arrêterai. Je vais quitter Paris. Je sais après je vais payer pour ça. Ouais je vais. Alors je vais. Paris c'est la monnaie.
soir, au rythme des salsas, aux accords des guitares, au macumba, macumba, elle danse tous les soirs et offre sa nuit contre quelques dollars au macumba. Au macumba. J'aimerais qu'on applaudisse sur scène ce soir avec moi. Emmanuel Seigné. Bonsoir. Le truc qui décide de tout, c'est la rencontre. Et quand c'est une évidence, les voix viennent se poser comme si elles avaient toujours été là, dès le moment où moi j'avais pris un stylo, un papier, un piano et j'avais commencé à écrire la chanson. C'est une évidence, elles étaient là depuis toujours. Et Emmanuel Seigné, c'était la première fois qu'on se rencontrait pour faire ce duo ensemble, pour le partager. C'était vraiment un moment comme ça, un peu isolé, très fragile. Et en même temps, j'aime bien parce que la chanson l'est aussi, quoi. I'm calling heaven from the dark side of my room. I'm calling heaven. I don't want to change your rules. Let me down.
Manuel Seigneur.
il est protecteur, quoi. Il est vraiment, c'est son crew, et puis chaque personne qui est là, il l'a choisi, et il entend donner là, sa place à tout le monde, et sans pour autant s'effacer, mais c'est vrai que c'est important que tout le monde existe, quoi. Je dirais que Julien, il m'apporte la persévérance, le fait de, quand on a une idée, il faut aller au bout. Moi, je prends beaucoup d'exemples sur ça parce qu'il le fait. Et moi, ça m'aide dans mon travail aussi. Il a vraiment envie de nous mettre en avant chacun avec nos qualités. Et c'est ce qu'il fait en m'invitant aussi avec Homo, ouais, avec mon groupe. Thank you.
Merci beaucoup. Il faut qu'il y ait un fil conducteur, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait une narration au travers de ce qu'on raconte. Et pour moi, ça, ça passe par la mise en scène et par l'écriture de plusieurs parties, de plusieurs blocs. J'aime bien me dire qu'on passe une première partie d'un concert, on plonge dans un deuxième bloc et ainsi de suite. Je trouve ça assez élégant et en fait, cette source d'inspiration, elle me vient voilà, des pièces de théâtre, des choses comme ça, des actes. On vient pas voir un concert, on vient voir quelque chose qui est raconté. Il y a ce qui est dit, il y a ce qui est chanté, il y a ce qui est montré, et il y a ce qu'on va retenir comme ensemble. Et ça, c'est tout aussi important pour moi que la musique en elle-même. See you.
crevons d'être trop cons pour que Viborg nous dise d'être mieux, nous dise qu'on existe, mais qu'on ne s'aimera plus. En demi-dieu, feu d'invincible sur la falaise, je veux pas qu'on touche. Je volerai les crins de ton pur sang, cavalier seul et mis en touche. J'ai pris du poids sur la balance du room service. Je me parle de toi dans l'ascenseur au bois de lit, je veux pas qu'on touche. Je volerai les reins des enfants rois qui à tes seins prendront leur bouche. Mon cœur, tu crois, est morte. Toi qui lui as donné la vie comme un loup sur la mer morte, sur le sirène de Colombie. Mon cœur te croit et morte. Toi qui lui as donné la vie comme un loup sur la mer morte, sur le sirène. Que reste-t-il de mes promesses sur la falaise, je veux pas qu'on touche. Je voulais les craindre d'un pur sang, cavalier seul et mis en touche. Je rends ma foi aux vierges douces de Saint-Sublice. J'entends ta voix dans les eaux troubles et à la nuit, je veux pas qu'on touche. Je voulais les reins des enfants rois qui à tes seins pendant leur bouche. Sur le sirène de Colombie.
Julien réfléchit à l'ensemble du projet. Mise en scène, placement des musiciens sur scène par rapport à telle ou telle partie du morceau. En en parlant après avec l'équipe technique, tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui... On n'a pas ça sur tous les projets sur lesquels on travaille. Il veut aussi que les choses sonnent vite. Je crois que si jamais on n'arrive pas à faire passer une idée ou un arrangement assez vite, bah, quelque part, même si c'était une bonne idée, ça sera abandonné parce que c'est pas évident. Je crois qu'il aime bien l'évidence. Ouais. C'est toujours important de laisser une trace gravée quelque part sur laquelle on peut tomber, choisir de voir ou revenir plus tard. Je trouve que c'est important de graver ces moments-là parce que cette vie qu'on vit en ce moment sur scène et en tournée, c'est un moment important. Et je pense que c'est... Voilà. C'est... Enfin, je veux dire, on est... Pour nous, pour le groupe, on est aussi heureux de pouvoir être téléspectateur de ce concert qui a été filmé. Pas juste pour se kiffer et se s'auto-congratuler et se regarder sur scène, mais juste parce que c'est le reflet de notre amitié, quoi. C'est une jolie trace pour notre histoire de groupe. Puisque t'es là quand t'es...
s'allongent, quand leur bouche ronge, m'allonge, hors le temps à l'orage, la paix fut de passage, puisque mes doigts résistent encore, je vomis les cœurs de tous ces corps, on me veut fort, faut du combat, mais moi, je peux me battre avec toi, puisqu'il est tard que j'écris vite, un bleu canard baisse la vitre, je vis d'une cuvée de jasmine, dans un pull à toi des vies marines, sans ces croûtes, il te semble, j'avouerai ces vies, on ressemble, puisqu'on me parle d'autres langues, la tienne m'aider à comprendre. On attendra l'hiver pour s'écrire qu'on se manque. Que c'était long hier, que c'est long de ce temps. On attendra l'hiver pour s'écrire qu'on se manque. Que c'était long hier. C'est long de ce temps. Puisque tu ne veux plus m'entendre, sans opinel pour te défendre, dans ton dressing abandonné, air Chanel désincarné. Puisque tu ne veux plus comprendre qu'il faut des années pour tout prendre, sans se laisser s'envoler de la parade des baguettes. Il a acharné, il lâche rien. Ça nous a fait faire des progrès incroyables à toute l'équipe, à tout le groupe en fait. Le fait de travailler autant, parce que vraiment il est pointilleux, il est méticuleux et tout ça. Pour moi, il est bien meilleur que ce qu'il croit. Je l'ai vu faire des progrès de ouf au piano par exemple. Et alors je sais que ça le stresse dès qu'il a un instrument dans les pattes, mais en fait je trouve qu'il a fait des progrès incroyables. De toute façon, c'est l'instinct, je veux dire, il chante bien et le chant c'est un instrument. Donc voilà, pour moi c'est un très bon musicien. Le soleil s'endort sur ses chaînes.
sable et l'aurore. Fleur de sel, attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage est de l'or pour se perdre. I need you so. I won't let you go. I need you so. I won't let you go. Souffrir la mort pour te plaire, défendre nos torts et puis se taire, le désir encore pour l'hiver, un chaos d'efforts sur Saint-Hilaire. Jazz. I need you so. J'ai décidé depuis mon deuxième album d'ailleurs de ne plus jamais me poser la question de comment serait reçu le message, mais simplement de faire, d'agir. J'écris des chansons, je dois les chanter sur scène. C'est ce qui me rend vivant, c'est ce qui me rend utile auprès des gens qui m'aiment et qui reçoivent mes chansons et qui viennent me voir. Et ça, ça me suffit. Si cet amour-là grandit au fil des années, au fil de mon travail, je serai le mec le plus heureux du monde. Si ce n'est pas le cas, je continue de travailler dans un sens qui est déjà de toute façon la voie la plus essentielle à ma vie et à ma façon d'exprimer ma sensibilité, que je ne saurais pas exprimer autrement. Je ne cherche pas plus. Si ça vient, tant mieux, mais j'essaie pas de penser au résultat.
je vous quitte. Je quitte la rive, les gens. Depuis mon île politique, je prends l'exil des corbeaux blancs. Alors ce soir, je vous quitte. Pour la farce des puants, je suis sale et plein de tics. Je suis la courbe et le tangible. Je suis l'herbe et puis le vent. Tant mieux si ce soir je vous quitte. Je prends l'exil des corbeaux blancs. Ce soir, je vous quitte.
Avec le Crédit Mutuel, donne-le là à Alcaline. Le boulot de chef d'orchestre, c'est pas... Peut-être on donne l'impression que c'est facile, les chefs d'orchestre, mais c'est pas facile. La preuve avec Tugan Sonic.